C'est mon live, vous comprenez? Vous fermez tous vos ok? Et De quoi c'est ton je vais live? De m'occuper de quoi ton c'est... cas. Écoute-moi bien, Corinne, avec ta voix de camionneuse là. Hein? Ouais, Tu écoute, tireras pas ouais. ton coup sur le veau, t'as compris? Personne veut de toi, sale boudin. Ensuite, hein, hop. T'es qui? Là, je vais regarder la vidéo. Je te jure qu'on a fait moins. Moi, je suis dedans. Moi, j'ai quand vous l'avez de ma mère, c'est toi. On le voit sur la vie de ma mère, c'est toi, je l'ai vu. Mais gros, on a YouTube à côté, on a juste fait un rewind. C'est une folie. T'as vu, teuf? T'as vu, teuf? Attendez, vous inquiétez pas, ça va le faire. Ne tombe surtout pas comme vous! Comme vous, stockez pas la pression, mais pas la pression! Mais comme vous, mais surtout pas avec vous! Non, comme vous, là, t'abuses! On y va! De mon petit rayon. Ah non, c'est du copiage, c'est pas du copiage. Bah oui, c'est du copier la nuit, c'est pas du lave. Ah déjà, c'est pas ça la nuit. Non, 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 la nuit. On t'a vu dans les poubelles. Oui, bah ça m'étonnerait, t'as rien compris. En plus, tu copies, tu racontes n'importe quoi. Va voir ailleurs si j'y suis. Tu sais, hé Sofiane, tu me sens complètement défaitiste. T'as rien compris. Bah ouais, t'as tout dit. Bah oui, c'est. Dis-moi, par copier, tu sais faire quoi d'autre? Je te propose de parler des thèmes intelligents, tu racontes n'importe quoi. Le pauvre Sofiane. Bon, Sofiane. C'est triste. Attendez, c'est triste. D'accord. Allez, on va se dire au revoir. Il y a d'autres personnes qui veulent monter. Okay, bon salut bon Sofiane. Bon au revoir. Ciao, ciao. Salut, salut, salut. Voilà. La nuit. Voilà. Au revoir. La nuit, oui, la oui, nuit, ça c'est ma chanson. Allez, au revoir, Sofiane. Au revoir. Salut, salut, salut. Au revoir. La nuit. Au revoir. Au revoir. Allez, au revoir. On dit au revoir. Salut. Copie, copie. Arrête de copier, arrête de copier, arrête de dire. Voilà, t'as raison. Dans tes rêves. Au revoir. Au revoir. Allez, dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Quitte le live. Quitte le live. Bah, faut dire au revoir. Regarde comment elle rigole. Elle a une qui sourit. Non, 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 mais parle pas comme ça, s'il te plaît. Mais oui, mais j'aimerais bien savoir comment elle s'épile. Elle fait un petit quai de métro mais ou alors c'est intégral. Qu'est-ce qu'elle s'épile? Oh, non, c'est bon, c'est bon. Et commence pas, tiens ta femme, et commence pas à t'énerver, toi. Hein? T'es qui toi? Tu parles de ma attends, femme, tu demandes comment moi je travaille avec les admins de Bigos. Vas-y, putain, enculé de ta merde. T'as vu Bigos, c'est quoi? Il a changé de tête ou pas? C'était marrant, on tous. Moi j'ai pas bien vu parce que t'es copie. S'il te plaît, il a vraiment changé de gueule ou pas? Il a débordé du visage. C'est ça. C'est pas dur, on va se mettre à droite là, t'es prêt? 1, 2, 3, hop. Là, passe pour le tour orange. Et voilà, je lui dis, c'est ça, il me fait direct. Mais non! Je le savais, qu'est-ce que je fais? Ah, je t'ai dépassé. Non, mais je me fais dépasser. Oh, mais Kovu, sérieux! Non, mais Kovu, vraiment, réveille-toi. Allez, je vous rattrape même pas, ça m'énerve. C'est dingue, je peux vous rattraper, je peux pas. Comment on est fast, on est fluide dans nos moves, go là! Je comprends pas en fait. Faut pas oublier quand même, Jules, c'est quand même un grand rappeur. Oh merci. Non, 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 bah non, 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 ah non, 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 si c'est moi, tu veux me faire. Ah non, non, moi je suis humble, moi je suis comme toi, non, 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 j'ai pas cette responsabilité, imagine. On va pas encore faire appel, je tiens à rester inconnu, là je suis modeste. Tu vois ce que je veux dire, beau gosse? Nous pourrions aller au McDo main dans la main, en bus ou en train. J'espère que la fille du soleil ne fait plus partie de ta vie pour pas qu'elle soit jalouse. Au pire, on organisera une partouze, mes paroles sont crues. Et oui, j'aime le cul, mais je suis une artiste aux multiples talents. Moi aussi, tu comprends, petit Manu. Regarde-moi dans les yeux, petit Manu. C'est ce que je fais. Embrasse-moi, je ferai de toi un roi. Tu as autant de talents que Léonard de Vinci. Il est... Bienvenue sur le serveur School RP de Kadabra. T'es sur ça ou pas? On espère que vous n'avez aucun tabou et si c'est bien le cas... Ils ont fait une musique. Amusez-vous bien sur le School RP de Kadabra. Kadabra. Je te protège. Un truc. Dis-le. Quoi? Je me protège, je te pique. Mais je te protège, je te pique. Je te protège, je te pique, mais je te pique avec quoi? Avec mon dard? J'ai pas envie de te piquer, moi. Mais c'est ma fenêtre, ça, non? Ouais. Non, mais on va en reverse. Hacking. Hacking, c'est quoi, ouais. Ça IP. Il a fait une récupération d'image. Il a mis la prise d'adresse IP. Mais il est bizarre, le mec, non? Non, t'inquiète pas, c'est rien. C'est juste une récupération de. Mais comment ça, c'est rien, wesh? Il est en train de prendre mon adresse IP. Il va retrouver mon adresse, vous êtes des ouf!
Attends, moi je le tais, il est où? Mais il bloque-le, vire-le, il avait. Il a sorti ton adresse. C'est des malades, les gens. Il a même sorti. Oh, mais t'es revenu. Oh, bon, allez, je te monte. Allez, vas-y. C'est parti, les gars. Bon, écoute-moi bien, la rombière. Maintenant, c'est mon live. Je reste ici. Ouais, Patoche, ferme ta gueule. Coupe ton micro. C'est mon live. Vous comprenez? Vous fermez tous vos gueules. Ok? De quoi c'est ton live? Je vais m'occuper de ton cas. Écoute-moi bien, Corinne, avec ta voix de camionneuse, là. Hein, ouais. Écoute, tu tireras pas ton coup sur le veau, t'as compris? Personne veut de toi, sale boudin. T'es dégueulasse. Mais elle va te faire enculer. Mais okay, t'es un boudin. T'es un boudin. Ferme ta gueule. T'es un boudin. Hein? Même un mort, il veut pas te baiser. Même un cadavre, il te baiserait pas. T'es dégueulasse. T'entends ce que mais je te dis? De quoi okay, je suis dégueulasse? Ok, c'est mon live. Hey, je fais ce que je veux. C'est chez moi ici. Ok, et je te filme. Je suis en train de te filmer. De quoi je suis dégueulasse? On saute ensuite. Hein, hop. T'es qui? Je vais regarder la vidéo. Moi je suis dedans. Moi j'ai vu. Vous la vie de ma mère, c'est toi. Oh, on le voit. Sur la vie de ma mère, c'est toi, je l'ai vu. Mais gros, on a YouTube à côté, on a juste qu'à faire un rewind. C'est une folie. T'as vu, teuf. Attendez, vous inquiétez pas, ça va le faire. Ne tombe surtout pas comme vous. Comme vous, stockez pas. Mais pas la pression, mais pas la pression. Mais comprends, mais j'en passe surtout pas avec vous. Non, comme vous, là, t'abuses. Du shrem. Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire quoi, du shrem? Ma fille, elle vit au Canada. Moi, j'ai un tatouage aussi. Regarde, tu veux que je te montre mon tatouage? Couchant. Oh là là. T'es malade, il se régale. Regardez, son super. Je suis allergique à l'eau. Ah bon? Toi aussi t'as des je problèmes d'allergie? Je suis obligé de boire de l'eau en poudre. Tu parles pour qui, Aline? Non. J'ai envie de te boire comme si tu étais un yop. Oh! C'est l'inspiration, Aline! Que tu me goûtes, que tu me chevaux, petit coquin. D'accord, monsieur Ploquin, maintenant montre-moi ta joue, ton cou. J'aimerais te prise en sandwich entre toi et ton ami, Christy Crissou, mon petit Manu adoré. Alors là, bravo! Alors là, j'avoue, je ne sais quoi dire. J'ai pas dit moi là. C'est de la salive bien baveuse. Putain le top. Putain, c'est moi qui vais le manger, ça rigole. Pas mal le RP. Genre c'est le même mec dans la game. Ma petite. Et attends, je suis rentré là. Vas-y, passe devant. Baptiste. Papa. Bon, bah. Blanc. Je vais te moquer la langue, s'il te plaît. Vas-y, te moque la langue, je vais me mettre dedans, attends. Ils sont dans la Baptiste. Game. Son. Coucou Baptiste. Papa. Bah là, il est pas là. Putain, les gars. Putain, fuck. Fuck you, man. Donc je suis désolé, les gens ils veulent monter mais ils se rendent pas compte qu'ils sont en live. Ou ils font exprès, ou ils ont un bon d'imagination, mais faire style on téléphone alors qu'on donne la parole, c'est un peu bas, hein, franchement. Le grab. Putain! Je l'ai raté! Mais comment le grab? Neuf, j'ai le droit de lui dire ou pas? Bonne chance! Putain, quand même, t'es une pute! T'es bien. Oula. Putain, ça se voit que ça fait longtemps que t'as pas conduit une thermique, hein. Allez, regarde bien devant toi, regarde bien. Bismillah.
Tu te verses un salaire en tant que dirigeante. Sur un salarié lambda, tu ne donnes pas 80%, tu donnes 50%. Sur mon chiffre d'affaires, par contre, je ne paye pas d'URSSAF. Je paye l'URSSAF que si je me verse un salaire. Oui, c'est le but de l'URSSAF, c'est quand tu sors de l'argent, oui, ça, je bah, sais. Bah non, parce que quand tu as une micro-entreprise, tu vas payer l'URSSAF. Parce que c'est de l'IR, c'est de l'impôt sur le revenu, c'est pas de l'IS. Ah pardon, ouais, ça doit être ça. Comment et t'as jamais pensé peut-être à faire un montage du genre mettre en gérance une SARL pour payer le RSI et du coup payer 50% de charges. Exactement, une EURL pour après quand je me verse un salaire, je suis à 30. C'est ce que je suis en train de faire avec mon avocat fiscaliste. Tu payes jamais 80% sur une SASU, hein, mais bon après c'est que ton compte. Si, si, c'est 80% sur la SASU par rapport à mon activité parce que je suis en prestation de service. Si, si. Ah, ça doit être l'activité de prestation de service. Exactement, c'est vrai que j'avais pas ça de donner. Quand je dis des choses, je sais ce que j'ai quand même. Je vais pas mentir sur des chiffres quoi. Parce que toi t'es lyonnaise ? Exactement. Ok. Bah du coup on dit que les lyonnais sont pédants, moi je suis lyonnais, j'essaie de pas l'être, mais tu relèves pas le niveau, hein. Putain, ça va encore nous mettre dans la merde ça. Hein. Tu te bases sur quoi du coup ? Bah je pense que t'es vraiment une connasse, que c'est impossible de t'écouter parce que tu sais tout sur tout. Et du haut de tes 27 ans, on a vraiment l'impression que t'as déjà remporté les élections présidentielles. Donc j'ai juste envie de te mettre des claques tellement tu m'horripiles et j'espère que les gamins ne grandiront pas comme toi parce que t'es vraiment insupportable. Attenzione, secondo già ma femme qui viut, mais poser une question. Qui a-t-il mon amour? Ah, j'ai pas... Elon, mon beau mec chanteur de country, quand est-ce que tu t'occupes un peu de ma petite toune ruisselante? Je veux que nous fassions un huitième enfant. Je veux que tu me remplisses la jusqu'à qu'elle explose. Ah, tu es avec Emmanuel Ploquin, le beau mec que tu m'as montré la dernière fois. Salut Manu, je me montre pas, je suis trop timide, mais je te trouve très beau et tu dois avoir une sacrée tub. Mais... Dis-moi, chanteur américain, c'est qui cette demoiselle? Tu la connais? C'est ta femme? Oui. Je te vois bien faire un plan à trois avec mon cher mari Elon. Tu viens à la maison quand tu veux. Ah non, mais moi je suis sérieux. L'amour, c'est une histoire entre deux personnes. On fait l'amour avec mon mari sur tes chansons. Ah bon? Et je peux te dire que j'en hurle de plaisir. elle est super ta femme. Oui. Hein, tu dois pas t'embêter avec elle. Oui, je suis son papa Yoel Boulboul. D'accord. Ah bon, il est comme ça son papa? Je pense pas. Oui. Tu sais, il est gentil comme garçon. Et il a traversé des périodes très difficiles. Je le sais, mais il a un petit défaut, il a tendance à copier et à plager. Je suis testeur d'hamburgers surgelés, tu sais, ceux avec la sauce orange qui sont encore congelés au milieu quand tu les mets au micro-ondes. Il y a le nom Boulboul qui a été sali par les actes de mon fils Nazim. Ah oui, mais il a un défaut à copier et plager. Sur catastrophe. Ah justement, il est là. Alors moi j'aimerais en faire une petite chanson. Je vais te faire un petit clin d'œil, toi qui es si bon. Bah j'essaye en tout cas. Cadette nous-même. On aime, on n'aime pas. C'est trop chaud. J'appelle mon fils, il copie. Je suis ici pour parler de mon fils, Nazim Boulboul, celui qui ne fait que copier. Oui, en effet, il a copié Manu et ses belles chansons, c'est du grand n'importe quoi. C'est la fin de la vidéo. Et t'es tout triste? Mais t'inquiète pas, on revient très bientôt pour du nouveau contenu. Alors pour cela, active la cloche, hein, et tu seras au courant des prochaines vidéos. Et abonne-toi surtout. Lâche un pouce bleu, ça fera plaisir à Riri. Allez, à ciao, bon dimanche.